maître Fatsweiler et le voir jouer à son piano. Je serais resté près de lui pendant des heures entières à entendre Alligator Crawl. Quelquefois je le retrouve en 78 tours sur des gramophones. Oui, mais à notre époque, les 78 tours n'intéressent plus personne. Moi j'aurais bien voulu voir aussi Fatsweiler au piano avec son papa. Mais le gros Fats est mort tout juste après la guerre, et moi j'étais trop petit pour ça. Reste-t-il beaucoup? Je ne sais pas vraiment. Mais sa musique à lui revivra parmi nous, je crois, pour très longtemps. Heureusement aujourd'hui, il y a Duke Ellington et puis aussi Errol Garner. Mais lorsque je suis seul sur mon gramophone, je remets Fatsweiler.